Et donc salut à tous, c'est Oldemer, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale 200 abonnés. Pour cette vidéo, on va faire une vidéo tuto sur une maison moderne. Alors, déjà, qui dit maison moderne, dit texture, enfin pâte de texture moderne. Le pâte de texture s'appelle Modern HD, si je me souviens bien, on va vérifier cela dans les options. Voilà. Donc c'est un petit tuto, enfin un petit. C'est une bonne façon de parler puisque il durera longtemps. Donc non, c'est même pas un petit tuto. C'est un tuto qui durera longtemps. Il sera en deux parties, en une vidéo mais en deux parties. Une partie où on va créer l'intérieur de la maison et une partie où on va créer l'extérieur. Donc là, je vais vous l'afficher. Voilà, là vous allez le voir. Voilà à quoi ressemble donc la maison. C'est une déjà maison moderne parce que voilà c'est. Je sais pas si vous avez vu en cours que c'était une maison moderne, mais déjà elle est blanche, voilà et tout. Bon. Après, vous ferez avec les textures que vous voulez. Enfin, avec les matériaux que vous voudrez. Je vais vous la montrer ce que ça donne tout de suite dans Minecraft. Alors, elle peut plaire à certains et elle peut ne pas plaire à d'autres. Hein. Chacun ses goûts. Donc voilà ce que cela rend. Je vous l'affiche en même temps. Voilà. Enfin, je vous l'afficherai vu que là j'ai pas les moyens de l'afficher. Je filme avec Fraps et non pas XSplit. Donc voilà, on peut voir quand même qu'il y a de la ressemblance. Bon, il y a de l'imagination après, vu que j'ai rajouté ça, les barreaux, j'ai rajouté derrière. Donc par contre, c'est. Après, j'ai pas eu beaucoup d'imagination pour derrière. Donc voilà, de derrière, c'est assez moche. Voilà, ça ressemble pas à grand chose. Je vais quand même le laisser comme ça. Après, vous, si vous voulez faire des modifications pour derrière, vous le ferez par vous-même. Mais nous, on va plutôt s'occuper du devant et un petit peu du derrière aussi. Donc, vous pouvez remarquer donc qu'il y a le haut. Voilà. Donc, ce qui est à gauche, je l'ai transformé en salle des coffres. Et après, vous ferez ce que vous voudrez. Donc, je l'ai fait symétrique. Hein. Voilà, c'est toujours mieux. Après, vous aménagerez comme vous voudrez. Voilà. Donc, moi je l'ai faite. Après, vous la faites comme vous voulez. Moi je l'ai faite en full quartz. Enfin, il y a quand même de la pierre ici, du bois, du gravier, de l'herbe un petit peu pour pouvoir planter des arbres. Mais sinon, ce n'est que du quartz et du verre. Et avec aussi les barreaux. Donc, voilà. Mais sinon, c'est presque que du quartz. Même ça, c'est du quartz. Donc, on va la commencer. On va la faire à gauche. Pardon, à droite, excusez-moi. Donc excusez-moi si je vais des fois copier sur ma maison tout simplement parce que je trouve que je l'ai bien faite et j'aimerais la reproduire sans faire d'erreur alors que quand je l'ai produite moi-même je n'ai pas suivi de tuto ni rien je l'ai faite voilà à l'imagination et je me suis pas copié dessus alors que là je vais me copier dessus pour vraiment faire comme je l'avais faite. Alors on va enlever déjà tout ça, on va aussi enlever ça, je sais plus, c'est. Voilà, c'est haut. On va enlever tous mes items. Voilà. Donc, déjà, vous commencez par des blocs de quartz. Ça va être bien comme ça. Donc, hop là, on va suivre. Tac, 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 tac. On va la faire là. Donc, je crois que j'ai mis deux. On va vérifier ça tout de suite. Allure. C'est ça. Donc, on a mis deux avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop là. Après, bon, voilà, il suffit juste que je, en fait, continue comme ça. Hop. Voilà. Donc là, hop, 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 on va vérifier ça. Je trouve que je l'ai bien faite, donc voilà, je vais souvent revenir là-dessus. 5, voilà. 5, 6, 9. Ok. Non, ça, on le verra après. Donc déjà 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. Donc là, on va mettre la porte qui était à droite, c'est ça. Donc on prend des portes en fer. Parce que c'est toujours mieux. Ça va dans le style. Après, si vous voulez, attendez, je vais voir en bois ce que ça donne. Parce que je n'ai pas encore vu en bois ce que ça donnait. Donc on va voir. En tout cas, avec le pad de texture. En bois, ça peut être pas mal aussi, mais bon, moi je vais la garder en fer vu que ça garde le côté blanc, voilà. Ensuite, donc on va commencer la salle des coffres. C'est l'une des salles les plus faciles à produire. Hein. Franchement, c'est pas dur. Hein. Il y a pas que plus difficile que ça. Alors hop, hop, hop. Alors si je me souviens bien, hop, hop, hop. Et là, c'est du verre.
C'est 3 ou 2, attendez. J'ai essayé de la faire un peu à la... Voilà, c'est ça, c'est 3. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. J'essaie vraiment de la faire un petit peu à l'échelle. Bon, c'est pas totalement ça, mais voilà, j'ai quand même essayé un minimum. Donc là, on va commencer à mettre le verre, donc glace. Vous mettez après, si vous voulez mettre de la couleur, je sais pas moi, de la glace blanche, vous y avez le droit, hein, il n'y a pas de... Mais moi, je vais mettre de la glace vraiment transparente. Alors, je crois que j'ai fait 3. Je crois que j'ai fait 3 de hauteur. Justement, pour être bien dans le truc. Je crois que j'ai fait 3 à peu près partout. Voilà, c'est ça, j'ai fait 3. Et ensuite, on a mis ça au-dessus. Hop là. Voilà. Tac, 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 tac. Et on peut commencer à fermer. Alors, ça s'est fermé par là. Donc, hop. Voilà, c'est ça. Là, je prends comme modèle ma maison. Je n'ai pas mis sur mon deuxième écran la photo, j'aurais dû. Mais j'ai pas commencé à faire une ellipse, sinon ça va me saouler. Donc, non. Mais c'est tout aussi bien comme ça. Je vérifie que je suis bien dans le truc. Tac, ouais, c'est bon. C'est good. On va continuer, donc on va fermer ça. Hop. Et donc le plafond, ça va être du verre, tout simplement pour garder de la lumière en fait. Bon, après vous l'aménagerez comme vous voudrez, voilà, vous créerez les chambres et tout, ou alors juste vous ferez cette maison pour la décoration. Mais si vous voulez y habiter, vous choisissez, voilà, si vous voulez faire de chaque pièce, je sais pas moi, faire ça pour oh, attendez. Voilà, donc bah moi qui voulais ne pas faire une seule ellipse pendant l'enregistrement, c'est raté. C'était TheDimDim91 qui m'appelait. Donc j'aurais profité pour mettre l'image sur mon deuxième écran. C'est parti. Alors, donc on en était à là. Ouais, si je ne m'abuse, c'est ça, il y a un deuxième. Ouais, c'est ça. Je voulais voir si je l'avais fait et je l'avais bien faite. Je vois sur mon image que je l'avais faite et je l'ai faite aussi. Il y a des vitres en fait ici. Donc c'est à 3 de décalage. Alors, hop. Donc là, nous en avons 1, 2 et 3. Hop, hop. Bah, c'est carrément comme ça. Hop, hop. Voilà. Hop là, on va faire le plafond. Donc, comme je le disais, ouais, des vitres sur le plafond pour garder un minimum de luminosité, quoi. Je voulais pas mettre de quartz ou même ne rien mettre parce que s'il neige, il va y avoir de la neige à l'intérieur, ça va être horrible. Donc, voilà. Alors, de là, une porte aussi. Une porte qu'on va mettre ici. Si je ne m'abuse, c'est bien à 2. 1, 2. Et la porte est juste là. Non, 1, 2, 3. C'est à 3. Et pas à 2. Pas grave, on rebouche. Tac, 1, 2, 3. Hop. Pour le sol. Alors, normalement, le son n'est pas trop fort. Enfin, pour moi, dans les oreilles. Ah, c'est un peu fort. Mais normalement, il ne l'est pas trop pour vous. Donc, c'est parfait. Alors, on utilise de la quartz, mais on utilise donc le pilar, les pylônes. Parce que, bon, sur les côtés, voilà, bah, ça fait pylône. Mais sur le dessus, ça fait un petit peu carrelage. Ce qui est assez sympa, voilà. Je trouve que c'est le seul item de quartz, enfin, le seul bloc de quartz qui peut faire office de carrelage. Je crois que j'ai mis ça, mais je ne suis plus sûr. On va vérifier cela tout de suite. Mais je crois que je crois que logiquement j'ai mis ça. Non, je l'ai. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Je sais que j'ai mis des pylônes, mais ouais. Pour toute entrée, en fait, j'ai mis comme ça, en pylône, en fait. Ça fait un peu tapis aussi. Voilà, c'est. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, c'est le. Pardon. Le tuto vous permet juste de savoir comment créer la maison. Après, vous mettez les items que vous voulez, ça, il n'y a pas de souci. Quartz. Alors, vous entendrez un petit peu en fond la musique pour. Elle n'est pas du tout forte, hein, donc il n'y aura pas de souci. Là-dessus. Voilà. Donc là aussi, c'est pareil. Voilà. Elle n'est pas du tout forte. Enfin, je l'ai mis à 4%, donc ça va pas vous gêner. On va mettre la pierre ici. Alors c'est de la pierre toute simple. Bah justement j'aurais peut-être dû la mettre avant, comme ça m'a évité de remettre les portes.
Alors, c'est stone. Et c'est dans cette pierre-là, c'est la cobblestone, voilà. Pas du tout. J'ai pas mis la cobblestone, je crois. Je crois que j'ai mis la stone. Attendez. Ouais, c'est ça, j'ai mis de la stone, pas de la cobblestone. Je vous montrerai à la fin ce que ça donnera avec mes pattes de texture que j'utilise. C'est-à-dire, bah quoique non, je l'utilise jamais celui-là. Hein. Le par défaut, je crois que je l'utilise jamais. Je crois que les seuls que j'utilise, bah, c'est tout simplement bah, celui-là. Quand je veux faire des maisons modernes. Et comment il s'appelle? Faithful, voilà. Ouais, c'est ça, là j'ai rien pour l'ouvrir en fait. Je n'avais rien mis. Puis comme c'est de la pierre, on le voit pas trop. Voilà. Alors, il y en a combien qui dépassent? 1, 2, 3. Il y en a 3 qui dépassent des plaques de pression. Ouais, c'est ça. Sur l'image, on peut le voir aussi. Ouais, c'est ça, j'avais dépassé juste de 1. Non, c'est pas ça. Ça, je vais l'enlever. Sinon, je vais me louer. Tac, 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 tac. Super. Donc là, on va faire les escaliers. Alors, les escaliers, comme ce n'est pas sur l'image, je vais vérifier. Bah, en plus, attendez. Non, c'est bon. Ouais, donc quand c'est fermé, on va commencer à mettre la. On va commencer à faire ça. Tac, tac. Hop. Et il y en a trois. Et puis la musique me permet d'avoir un fond sonore quand je ne parle pas en fait. C'est exactement ça. Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 6. Attendez. 3, 6, 9, 11. J'en suis à 3, 6, 8, 9, 10, 11. Nice, c'est ça. Tac, tac, tac. Hop là. Si je ne m'abuse, j'ai bien utilisé ça pour le sol, c'est ça. Hop là, donc là. J'y vais comme ça me permet d'aller prendre les escaliers et en même temps de savoir où j'y suis allé. Parce que ça, c'est ça. On a commencé à. Attendez, en fait, j'en sais rien. On a commencé directement. Non, à 2. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Hop. Hop. Non, faut que je me mette comme ça. Voilà. Pas du tout. Voilà, faut le mettre là. Voilà. Voilà. Et donc là, nous avons ça avec une plaque de pression. Voilà. Et une porte que l'on va mettre ici. Pas du tout, ici. Je vérifie que c'est cela. Voilà. Donc j'ai mis une seule porte. Pas besoin de deux, hein. Et on va le faire quand même, avec, voilà, comme je l'avais fait là, avec deux escaliers, tout simplement, parce que si vous êtes des attardés, vous êtes prêts à tomber. Non, je déconne. Parce que c'est mieux, voilà, c'est mieux pour grimper, c'est plus facile, ça évite de dire, merde, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, vous laissez à 1, c'est parfait. Voilà. Donc ça fait ça. Voilà. Donc la porte, attendez, la poignée est à gauche, on s'en fout en fait. On s'en fout carrément. Hop, alors non. Hop, hop. Alors après, je ne sais plus comment j'ai fait. Ça commence à devenir un petit peu plus difficile. Donc là, voilà. On va commencer à faire ça. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a déjà un. Il manque plus qu'à en mettre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, on peut commencer à fermer. Hop, hop, hop là. Donc après, je ne sais pas ce que vous en pensez de la maison. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver différents tutos de maisons modernes. Celle-là d'image, je pense, je suis presque sûr qu'il y a déjà un tuto sur cette maison. Parce que quand vous regardez sur Google Images, vous la trouvez facilement, vous faites maison moderne et voilà, vous la trouvez. Ça doit être la, je sais pas moi, entre la première et la dixième photo, même pas entre la première et la cinquième photo qui tombe. Sur la page Google, même pas Google Images, hein, sur la page web, enfin dans le web de Google. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà des tutos là-dessus, mais après, chacun l'a fait comme il veut. Il y en a qui le font en laine. Mais la laine, je trouve que ça fait pas trop maison moderne.
En tout cas, si vous voulez mon avis, déjà, pour une maison moderne, faut la faire en blanc. Ne commencez pas à essayer de faire une maison en noir ou quoi que ce soit. Ça ne servira à rien. Enfin, ça. Après, si, peut-être. Si, le noir, ça peut aller. Mais en bois, c'est faut vraiment avoir un style particulier. Parce que le blanc, je trouve que c'est ce qui va le mieux avec quelque chose de moderne, quoi. Même dans les films, je sais pas, vous regardez iRobot, les robots sont en blanc et pas en bleu, quoi. Bon, en bleu, ça ferait très kitsch aussi. Donc c'est pour ça. Je vérifie les tailles. À l'intérieur, c'est 6. C'est 6, c'est parfait. Alors là, vous allez me dire pourquoi j'ai mis du verre en dessous. Et bien, tout simplement parce que s'il n'y en a pas, et qu'on veut mettre. Alors attendez. Non, je l'ai en premier. Et qu'on veut mettre ça, voilà. Ça le met en pylône. Je crois même que si je me mets comme ça le met pas au-dessus. Voilà. Faut qu'il y ait une base en dessous pour que ça soit droit, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis du verre. Tac. Et puis comme ça me permet aussi de vous montrer comment que je le fais très manuellement. Ce n'est pas un serveur, bah vous avez pu voir, ce n'est pas un serveur multijoueur, il n'y a pas de plugin là-dessus. Donc, évidemment, mince, évidemment, je n'ai pas utilisé WorldEdit, j'ai tout fait à la main. Et ça va beaucoup plus vite, enfin pas beaucoup plus vite, mais en tout cas, on s'y retrouve mieux, quoi. Là, faut mettre la plaque de pression, tac, alors je sais plus. Ouais, non, là c'est bon. Pas besoin de mettre un pylône inversé. Là, il n'y a pas de musique. Hop là! Donc, on est déjà à la première salle. Alors, ça va beaucoup plus vite dans un tuto quand j'ai le modèle à côté. Que la première fois que je l'ai fait, tout simplement, parce que quand la première fois que je l'ai fait, il fallait que j'imagine. Je n'ai pas fait de croquis, hein, parce que déjà, de une, je suis nul en dessin, et si je fais un croquis, je sais pas que je vais m'y perdre, mais c'est que je vais perdre plus de temps qu'autre chose, parce que je n'ai pas besoin de croquis, en fait. Donc je n'ai pas de croquis à vous montrer, je n'avais pas de croquis à vous présenter au début du tuto, donc voilà, à quoi ressemblera la maison à la fin. Je vous la montre directement dans le jeu, et on la fait directement, hop là. Mais il faut savoir aussi que si vous n'étiez pas 200 abonnés, la vidéo serait quand même sortie. C'est juste que cette vidéo me permet aussi de vous. Bah voilà, de dire que franchement, 200 abonnés, ça peut être rien pour certains. Mais 200 abonnés, c'est quand même quelque chose. On augmente de plus en plus et de plus en plus vite. On avait mis, je sais pas moi, 6 mois à atteindre les 100 premiers abonnés, tout simplement parce que je n'étais pas actif. On a dû mettre 3 mois, enfin je n'ai pas regardé, donc ça peut être plus comme ça peut être moins, à avoir les 100 nouveaux abonnés, donc ça va de plus en plus vite et franchement ça nous motive encore plus à faire des vidéos. En tout cas à moi pour l'instant, parce que Dimitri n'aura pas son ordinateur avant longtemps pour des problèmes financiers, enfin que je ne parlerai pas. Voilà, je vais vous le dire très clairement, c'est un pauvre, il vit dans les caravanes, non je déconne, c'est cliché, non. C'est faux. Alors attendez, 2 secondes. 1, 2, ah attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je crois que ça partait de là. Ah. Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Je l'ai fait sans faire exprès. Hop. Alléluia, allez, allez, allez. Donc voilà, franchement, en tout cas pour moi, je ne sais pas, j'ai pas demandé à Dim. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez déjà 200 à vous être abonné à la chaîne. Parce que, voilà, franchement, 200, c'est pas un chiffre ni énorme ni bas, quoi. Parce que, je veux dire, il y en a, ils ont créé des chaînes depuis un an, ils ont autant de vidéos que nous, ils sont à 2 abonnés. Je ne vise personne parce que déjà cette personne c'est une chaîne que j'ai vue comme ça en regardant sur le web et enfin voilà en zappant sur YouTube et donc voilà ça veut dire que quand même il y a eu de l'activité puis surtout ce qui est bien c'est que vous vous êtes abonné alors que franchement 5, je crois on en est à 47 vidéos pour l'instant 47 vidéos en
bientôt un an. Le 15 janvier, ça fera un an. Ce n'est pas énorme. Je veux dire, ça fait beaucoup moins de 2 vidéos par jour, quoi. Donc voilà. Puis ça nous motive plus, quoi. Alors, trêve de bavardage. Je ne sais même pas si ça se dit trêve de bavardage. Je suis sûr que je suis en train d'inventer des mots. Alors, donc, ça continue comme ça. Tac, 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 tac. On va recommencer à parler du tuto. Donc voilà, c'est un tuto très facile, hein. Il n'y a pas de redstone, il n'y a rien. Voilà, c'est que du buildage. Et je suis sûr que je suis en train de faire des conneries parce que dès que je parle, je suis vraiment quelqu'un. J'espère qu'il n'y aura pas d'interférence parce que le téléphone est quand même assez long là. Voilà. Je suis quand même quelqu'un qui ne peut pas faire deux choses à la fois d'habitude. Alors si j'y arrive pour ce tuto, c'est magnifique. Si j'ai bien compris, c'est comme ça. Sinon, je suis un tarde. Et je suis un. Non, c'est bon. D'habitude, si, mais bon. Alors, tac, 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 tac. Puis si je fais une erreur, de toute façon, on va tout corriger. Je vous conseille de mettre sur pause, évidemment. Ou alors, si vous avez deux écrans, ce qui est ce que je vous encourage à avoir. Bon, vous procurez pas l'écran, LED, je sais pas moi, 500 balles, quoi. Moi, 200 euros. Bon, d'accord, c'est un prix. Voilà, j'ai eu mon deuxième écran, quoi. Après, il faut que vous regardiez sur votre carte graphique. C'est sur la carte graphique. Si vous utilisez votre carte mère, vous ne pourrez en brancher qu'un seul écran, si je ne m'abuse. Mais sur votre carte graphique, vous regardez si vous avez combien de prises VGA vous avez, combien de prises VDI, je crois que ça s'appelle comme ça, vous avez aussi. Si vous avez une prise HDMI, voilà. Si vous avez une prise VGA et HDMI comme moi, vous prenez un écran VGA et un écran HDMI. Donc là, on va mettre les barreaux. Hop. Car il faut le faire. Alors, les barreaux, ça sert vraiment à faire un petit côté sécurité, quoi. Voilà, ça fait un peu balcon, quoi. Voilà. Vous marchez sur du verre, évidemment, mais ça fait balcon. Donc, on va vérifier ça. Tap, 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 tap. Alors, quand j'ai fait la maison, je me suis d'abord occupé du bas. Là, j'ai envie de m'occuper du haut. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai envie. Voilà, il n'y a pas de logique là-dedans. C'est pas vous y arriverez mieux si vous commencez par le bas. Non, il n'y a pas de. Voilà. On va vérifier l'échelle. Alors, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, j'ai l'impression de compter comme un tarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, je suis qu'à 9. Hop, hop. Hop, hop. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on recommence. On fait tout de ce côté. Tac, 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 tac. Donc, on a presque fini le haut. Franchement, c'est pas long, hein. C'est franchement pas long. Je me souviens plus des longueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. 2, 4, 6, 7, 8. Hop. Alors, pour sortir un petit peu, pour faire une parenthèse, pour pas qu'il y ait trop de blanc dans la vidéo, parce que j'ai envie de parler. J'espère que vous avez fait des bonnes demandes au Papa Noël. Je parle comme un gamin. Non, voilà, j'espère que vous avez demandé des trucs très chers, que le Papa Noël va chauffer la carte bleue. Je dis Papa Noël parce qu'il y en a toujours qui ont 9 ans et qui, voilà, le Père Noël existe. Oui, il existe, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Il y en a toujours il y a toujours des enfants de 9 ans qui regardent la vidéo, les vidéos, mais franchement, c'est bien. C'est bien aussi parce qu'il y en a qui ont 10, 15 ans comme moi et Dim et qui regardent nos vidéos et qui disent que c'est de la merde. Non, je déconne, c'est jamais arrivé. Et commencez pas à le faire. J'ai toujours mes potes qui me disent: Ah, tiens, t'as 200 abonnés, t'as fait une vidéo avec 8000 vues. Tiens, viens, je mets des pouces rouges. Il y en a toujours qui disent mais qui le font pas. Voilà. Je dis pas que si vous le faites pas, vous êtes des gamins, les mecs. Non, 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 non. Justement, si vous le faites, vous en êtes. Parce que moi, ça me sert à rien, justement, moi, les pouces rouges. D'un côté, je m'en fiche, parce que c'est pas ça qui va m'arrêter à te faire des vidéos, parce que il y en a plein qui disent, même beaucoup disent, presque tous disent que mon contenu est bien. Mais moi, si c'est des pouces rouges,
et qu'il n'y a pas de commentaires, après je me dis, ça y est, c'est encore des personnes qui se disent, ouais, le lien est faux et tout, c'est de la merde, je mets un pouce rouge. Voilà. Moi, si vous mettez un pouce rouge et que vous commentez, que vous argumentez, il n'y a pas de souci. Si vous dites, je n'aime pas, je mets, ou même si vous ne le dites pas, que vous mettez un pouce rouge, après vous pouvez vous dire, si je mets un pouce rouge, ça y est, ils vont tous me haïr. Un pouce vert ou un pouce rouge peut rester anonyme. Mais si vous. Après, vous mettez les commentaires que vous voulez, ouais, soit vous me dites que la vidéo était bien. En tout cas, tant que c'est ce que vous pensez vraiment, ça m'intéresse. Que ça soit une pensée négative ou positive, que vous me dites. Ouais, cette vidéo est bien ou très bien, ou que vous aimez pas trop, ou que vous aimez pas du tout. Voilà, chacun son choix. Je viens de faire n'importe quoi en fait, parce qu'il fallait que je le mette en dessous. Donc là, ça y est, vous pouvez mettre des pouces rouges. Je ne vous en voudrais pas. All Gamer est un tarde. Tout le monde le dit. Ah oh, putain. Je ne fais qu'affirmer mes propos. Sinon, comment allez-vous? On se croirait en live. Ah oui, tiens, en plus, en parlant de live, il y en a qui m'ont dit, ouais, pourquoi tu ne ferais pas des lives en Face Commentary? Alors, j'ai le matos. J'ai une bonne carte mère, j'ai une bonne carte graphique. Enfin, ma carte mère, je ne la connais pas. Mon processeur est un i2. J'ai demandé au Papa Noël un i5. Avec une meilleure carte graphique, une meilleure carte mère. Une carte mère, je crois que c'était ZT81, un truc comme ça. En tout cas, c'est une Asus. Carte graphique, c'est une GT 650. J'ai une 630 déjà. J'ai essayé de regarder sur le net, je gagnerais environ 70 à 80% de performance, ce qui est voilà bien. Je sais plus si elle coûte 120 ou 200 de la carte graphique. Alors que pour l'instant, j'ai donc une 630, la carte mère, je ne sais pas du tout. Et j'ai un i2. Voilà, et i2, ça commence à faire vieux. Mais mon ordinateur commence à faire vieux, il a presque 6 ans. Voilà. Donc là, on va enlever la glace qui est en dessous. On va vérifier les longueurs. Je suis désolé pour les clics souris. J'ai aussi demandé un micro studio, 80 €. La vie est chère quand même. La vie est chère. Et normalement, si je lève, vous n'entendrez plus les clics souris. Il n'y aura plus de bruit parasite que je suis obligé d'enlever par. Attendez, ouais, c'est bon. Par montage et qui peut quand même modifier un peu la voix, ce qui est dommage. Mais sinon, voilà. Eh bien, nous allons commencer le bas. Je vais vérifier donc que tout est bien. Nous avons bien 6 là, nous avons bien 6 là. Nous avons 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. C'est bon, et là, c'est cassé. Ah! Ici. Ok. Commençons donc la fin. Alors, bon, on va s'occuper de la salle des coffres pour vous montrer comment j'ai fait. C'est très simple, hein. Pensez pas que c'est. Ah, attendez. Ah, ils ont pas. Le trapèze chest, ils l'ont pas modifié. Bon, bref. Voilà. Et c'est très simple. Voilà. Vous n'avez qu'à faire ça. Et c'est tout. Non, je n'ai rien fait ici. On va vérifier, mais je crois que j'ai rien fait. La musique est très 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 pas forte. Voilà, je parle très français, très bien le français, très bien la France. Mais non, la musique est pas forte du tout. Donc voilà, c'est bon. Vous avez donc la salle des coffres qui est faite. Passons maintenant donc au bas. Le tuto est long, mais comme je vous le répète, assez facile. Donc nous utilisons pour une fois la vraie. Fonctionnalité, enfin nous utilisons les pylônes pour créer des pylônes pour une fois. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, on les utilise pour faire des tapis. J'avais pas du tout envie de faire de la laine, hein, pas du tout. Alors, donc nous avons une couche de quartz avant de commencer à mettre les portes. Hop, j'avais mis quoi? Je crois que bah, ça doit être des trappes aussi. Allez, mon téléphone qui vibre. Donc là, ouais, j'avais mis du quartz normal et là, des trappes. Ok. Donc là, on va mettre des trappes.
Là, on va mettre... mince. Ouais, la CD. Ok, hop là. Donc là, nous avons des minces, des trappes peut-être. Oh là là, j'ai une mésange, n'importe quoi. Oui, c'est ça. J'ai une mémoire de poisson rouge. Vous voyez, j'invente des mots quand même. J'ai une mésange. Quoi? Mais pourquoi dis-tu ça? Tu ne vas pas mieux. Tu ne vas pas mieux. Hop là. Et alors l'intérieur, c'est... Voilà. On va faire l'intérieur, comme ça ira assez vite. Non, pas du tout. Voilà. Faut se mettre assez proche, sinon ça fait comme le bois, en fait, ça vous le tourne. J'ai oublié de le dire aussi, le tuto est en 1.7. Point... Aucune idée. Point 2. Oui, ça doit être ça. J'allais dire point 4, mais je ne crois pas que la point 4 soit sortie. Mais non. Voilà, c'est en 1.7.2. Au cas où j'utiliserais des matériaux qui n'existeraient pas. Moi que vous soyez en 1.5, je crois, vous n'aurez pas le quartz. Mais je crois que plus personne n'utilise la 1.5 de nos jours, à moins d'utiliser Nodus. Hop là. Quoique Nodus, maintenant, je pense que ça existe pour toutes les versions. Il y en a tellement. Quoi? Pourquoi j'en mets deux? Pas du tout. Hop là, donc c'est tous les trois blocs de glace. Je suis désolé, il doit être. Attendez, je regarde l'heure. Il doit être. Oui, c'est ça, il est minuit 17. Je suis un petit peu crevé, donc excusez-moi de dire n'importe quoi des fois. Là, c'est aussi des. Non, pas du tout. Hop. Bon, là, en fait, on peut tout le temps mettre ça, hein, si c'est tout le temps ça. Hop. Tac, 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 tac. On va faire ça pour pouvoir mettre les pylônes, en fait. Hop, hop, voilà, nous utilisons pour une fois les pylônes pour faire des pylônes. Donc après, pour derrière, vraiment, si vous voulez faire quelque chose à votre goût, vous le faites, hein. Moi, je n'ai pas eu d'idée particulière, même si je trouve quand même que c'est assez moche, le derrière. Ouais. Bon, là, on s'en fout, vu que ça va être fermé. Vous pouvez le laisser en herbe, il n'y aura pas d'inspecteur... Moi, si vous en embauchez un de votre serveur. Ok. Donc, on va mettre. Bon, alors, ça, déjà, il y en a partout. Il y en a tout le temps. Du verre à cet étage. Hop. Après, pour le dehors, c'est. Le dehors. Ouais, c'est ça. Si, ça va être très rapide. Non, qu'est-ce que je fais? Pas du tout. Voilà. Mon Dieu, je fais n'importe quoi. Il y avait eu 4 portes? Non, il y en a eu 3. J'ai l'impression d'avoir fail. Ouais, c'est ça. J'ai totalement fail. Attendez. C'est 1, 2, 3. J'espère que vous ne l'avez pas remarqué. Hop là. Ninja, vous n'avez rien vu. Rien entendu. Pas du tout. Hop là. Alors même dans le tuto, en fait, je me gourre. Vous devez être confus, toi, comment il a fait ça? Mais c'était pas du tout comme ça avant. Donc ne coupez pas. Hein. 3, 3. Merde, mais je me fail ou quoi? Attendez. 1, 2, 3 d'or. Alors déjà, parce que là, il y a ça à la place. Et pourquoi? Ah oh non, je ne me dis pas que je me suis loin. Là, il y en a combien? 3, 6, 8. Ah, tout et tout, c'est 7. 3, 6, pas du tout, 8. 3, 6, 8. 3, 6, 8. Alors, expliquez-moi comment je fais pour être retard à ce point-là. Il y en a 3 et une porte. Hop. Ensuite, il y en a 3 et une porte. Ensuite, il y en a 3 et une porte. Ne dites pas que j'ai fait à un moment donné où c'est ouvert une seule fois. Non. Mais comment ça? J'ai l'impression d'halluciner les gens. Quand même. 3, 6, 8. 3,
6, 8. Mais mon Dieu! Mais. 8. Mais pourquoi me fais-tu ça, mon Dieu? Mais que t'ai-je fait? Regardez. Hop, je n'invente rien. Il y a encore un trou. Alors que je suis à 3, 3, 3, 3. 2, 4. Mais mon Dieu. Il y en a 3, 6, 8 au middle. Joueur. 3, 6, 8. Et là, 5. Ouais, mais c'est ça, je me suis gouré. Attendez. Ah, c'est là où je me suis bourré. 3, 6, 8. Je suis sûr, j'ai fait 9. Je suis sûr, depuis tout à l'heure, je compte mal. 3, 6, 8. Quoi? Avec un cri de femmelette. D'accord, ok. Mais pourquoi? Comment ça pourrait... Quoi? Oh, à ma propre création, je ne comprends plus rien. Oh, ça y a le weather. Alors attendez. Weather. Oh, j'écris tellement bien. Sun. Oh, clear. Oui, si tu veux, mon chou. Donc le tuto va durer des années. Zéro. Voilà. Je suis désolé, ça va prendre longtemps. 3-6. Alors. Si vous avez compris depuis le début, n'hésitez pas. Continuez, mais continuez. 3, 2 et 3. Putain, je ne comprends plus rien, je suis crevé. 3, 2 et 3. Quoi? Non, mais attendez, je ne comprends plus rien. 1, 2, 4, 6. En fait, je suis un retard. Bon. Alors ça, voyez-vous, je ne l'enlèverai pas. Tout simplement parce que c'est un épisode spécial 200. Voilà, on est 200. On est parti pour une année. Enfin, pas une année, pas du tout. On est parti déjà pour dire n'importe quoi et pour faire notre retard. Parce que c'est vrai. Que le problème vient de là. Bah oui, évidemment. Je suis en train de chercher une explication illogique alors que c'était sous mon nez. Donc, si vous avez 15 ans, ou même moins, si vous êtes un, je sais pas moi, un surdoué, vous avez compris depuis des années ce qui était le problème, vous avez déjà fini de faire le truc. Et pendant ce temps, moi, en fait, je suis toujours au début. Donc, on va se grouiller parce que j'ai pas envie déjà de faire un tuto beaucoup trop longtemps, pas parce que j'ai la flemme, mais parce que j'ai pas envie que vous vous disiez, que vous vous dites, oula, non, que vous vous, aucune idée, je sais même plus comment ça se conjugue, j'ai pas envie que vous vous dites que merde, ça va durer 3 heures, j'ai pas envie, on s'en fout, on zappe, voilà, hop là, donc nous avons les vitres là, je suis encore désolé, oh putain. J'ai passé pour un gros retard. Old Gamer est un gros retard, mais sinon la vidéo était bien. La vidéo était bien. Pouvez-vous garder Old Gamer comme réalisateur, mais changer d'acteur? S'il vous plaît. Nous ne voulons plus de lui. Et c'est là qu'il va y avoir une vague de likes par rapport à mes vidéos quand TheDimDim91 commencera à en faire lui. Oui, ça se comprend. Tout le monde aime Tim. Bref, continuons donc le tuto. Je vous invite à regarder mes autres vidéos si vous venez de regarder ça, que vous avez envie de nous suivre. Parce que si vous vous dites, mais en fait c'est qui Dim? C'est donc celui avec qui je fais des vidéos. Vous l'aurez compris, nous sommes un duo. Un duo qui commence à se créer.
Hein. Nous ne sommes pas à temps plein en duo, nous ne le serons jamais. À temps plein, je veux dire, il y aura encore des vidéos où je serai tout seul et lui aussi. Mais en attendant qu'il ait son ordinateur, il ne fera pas de vidéo tout seul. Hop là, donc l'intérieur est fini. On va se dépêcher pour rattraper le temps qu'on a perdu. Ah, en fait, on va dire c'était qu'on savait depuis le début où était le problème et qu'on voulait juste en fait inspecter la maison, mais qu'on ne voulait pas le dire. On a fait exprès de passer pour un gros retard devant toute la France entière, non, je déconne, devant des personnes. Voilà, nous avons fait exprès, nous aimons passer pour un gros retard. Oui, je parle comme Gollum. Je suis schizophrène. Je parle de moi à la deuxième personne du pluriel. Je suis tellement fatigué que je dis que nous, c'est deuxième personne. Oh là là. Là, je vais arrêter de faire des vidéos, moi. Je pense que en fait, moi, je vais m'entraîner 15 000 fois. Alors, ok, c'est bon. Nous, je vais revoir mon français aussi. Nous, c'est pas la troisième ni la deuxième, c'est la première. C'est ça, c'est la première. Ah, évidemment, c'est la première. La deuxième, c'est vous. La troisième, c'est il. La quatrième. Non, je déconne, là, je fais exprès. Vous ne commencez pas à vous dire, oh putain. Et il est en seconde? Oui, je suis en seconde. Évidemment. J'aime bien faire des vidéos comme ça à l'improviste. Parce que, évidemment, que là, en fait, c'est le live. Je veux dire, il va pas y avoir des coupures pour vous dire. Enfin, je veux dire, je n'ai pas fait le tuto et ce n'est pas un commentary, c'était un tuto en direct. Le seul moment, en fait, où je vais faire une ellipse, c'est le moment où donc je vais où je me suis fait appeler par Dim en Skype. Donc l'intérieur est fini. Non, attendez, il manque juste là. Ouais, c'est ça. C'est juste bouché avec de la quartz. Je ne me suis pas embêté à boucher avec autre chose. Donc je le répète, vous le bouchez comme, enfin vous faites la maison avec n'importe quel bloc que vous voulez. Ça va jusqu'où? Ça va jusque là. Ok. Pas du tout. Hop. On va tout casser. Donc je suis désolé pour les clics souris qu'il peut y avoir. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Minecraft. Donc voilà, ça me fait plaisir. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus, évidemment, parce que mes premiers abonnés étaient surtout pour le serveur Minecraft. Alors, ne commencez pas à vous dire. Ah ouais, il a un serveur Minecraft. Ouais, c'est quoi l'IP? J'ai laissé les vidéos. Voilà, parce que c'est des vidéos aussi sans abonnés. C'était des bons moments, je n'avais pas envie de les supprimer. Mais le serveur n'existe malheureusement plus. Tout simplement pour tous de fond, en fait. On n'avait plus de sous. Oh, merde, c'était pas ça. C'était en fait du chiseled. C'est what is that? C'était quoi? Bon là ça va aller plus vite vu que j'ai pas besoin de. Ok. Merde. Je l'ai. Ah, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Mon sac s'écrit chiseled. Pas du tout. Voilà. Ah, c'est des briques, un truc comme ça. Ouais. Parce que ça fait piscine, je trouve. Ça fait ce qu'on peut trouver. Enfin piscine, voilà. Après chacun sa piscine aussi. Mais même si je n'ai pas ça comme piscine. Ce n'est pas une piscine gonflable non plus, je dévoile ma vie, on s'en fout. Non, je trouve voilà, que ça va un peu. Non, ça. Oui, voilà. Ça fait un petit peu ce qu'on peut trouver dans les salles de bain. Donc ça rappelle un peu l'eau. Oui, je vais loin, je suis un philosophe. Mais... Voilà. J'avais pas envie de mettre la même quartz non plus, parce que. On va quand même garder un petit peu d'originalité. Parce que déjà qu'on fait une maison que en quartz, presque. En même temps, en mettant un petit peu de pierre et du bois. Essayer de varier le quartz quand même, heureusement. Bon, après, ce que je comprends pas, c'est ceux qui s'amusent à faire des maisons en pierre. En pierre, pas du tout. Les pierres, c'est classe. Enfin, la cobblestone, pas du tout. Je la trouve très moche. Avec n'importe quelle pâte de texture. Quoique, celui-là, ça peut aller. Mais faire une maison en cobblestone. Déjà que je trouve un petit peu que une maison en quartz avec le pâte de texture normale. C'est pas très joli à regarder. Enfin, après, chacun son avis.
Faut avoir ce pad de texture là, voilà, vous dites, si hein, quelqu'un vous dit ah ouais elle est bien mais bon dommage avec le pad de texture, vous lui dites bah prends le pad de texture moderne HD, tu regardes, et là le maître va peut-être vous dire ah ouais tiens ça rend bien vraiment, voilà. Et soit après vous lui présentez, voilà, enfin vous lui dites comment vous l'avez fait, soit vous faut lui dites bah voilà, regarde cette vidéo pour voilà, vous partagez. Faites de la pub. Non, je déconne. Ok. Donc là, on va commencer la deuxième partie, c'est-à-dire de faire l'extérieur. Alors l'extérieur, ça va être très rapide, vous inquiétez pas. Ça va pas être aussi... Ah, en plus, je tombe dedans. Ça va pas être aussi long que de faire l'intérieur. Tac. Ouais. Alors ça va jusqu'où? Ça va juste... Je ne sais point du tout. Ah, ça va juste là. Donc ça fait tout le tour. Le bois fait tout le tour. Ça fait presque tout le tour. Ouais. Donc là, c'est que du bois. Ah, je vous remontre encore un petit peu. Hop là, je vais la laisser genre 10 secondes. Voilà, comme, donc vous pouvez voir. Attendez, je vais quand même. Voilà, vous pouvez voir où on en est par rapport à là. Voilà. Mais par rapport à l'image aussi. Hop. Donc, je vous encourage, comme tout à l'heure, comme je l'ai dit, à faire des pauses. Sauf si vous avez deux écrans. Tout simplement parce que si vous la regardez en même temps, enfin si vous l'écoutez en même temps que vous le faites, si vous n'avez qu'un seul écran, ou même deux, ça peut être difficile des fois, vous allez vous dire, merde, j'en étais où? Alors attendez, alors attends, faut que je mette en arrière. Merde, c'était pas là. Ah, voilà. Donc, vous faites une pause, vous regardez genre 10-15 secondes, ou alors vous regardez, ou alors vous comprenez directement jusqu'où on va. Et donc vous le faites en même temps, voilà. Mais après, en vraiment, si vous êtes vraiment sûr de savoir comment ça va rendre à la fin, par exemple pour là, quoi, c'est pas trop dur, quoi. Là, par contre, c'était dur, évidemment, pour moi, vu que voilà, c'est Oldgamer qui l'a fait, ce n'est pas vous. Vous, évidemment, vous êtes, voilà, vous êtes très intellectuel. Moi, je suis très retard. Le mec qui s'insulte, Toto. Voilà. J'ai toujours été très gentil avec moi-même. Oui. Et je pense qu'un jour, je vais devoir dire à ma famille que je fais des vidéos sur Internet, parce que sinon, on va sûrement me prendre pour un très gros schizophrène. Je sais même pas depuis combien de temps on fait la vidéo. Enfin, dure la vidéo. Alors. Hop, donc ça va jusque là. On va bientôt commencer la piscine. Alors la piscine, vous en douterez, c'est du quartz. Et ouais. Parce que la gardez pas en pied, en terre non plus. Quand même. Hein? Pas être con. Hop là. Pas du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire la piscine en dernier. Et finir sur un plongeon. Donc le tuto va bientôt se terminer, hein. Là, à la fin, c'est pas très long. Ouais, je suis désolé, je dis même pas les longueurs. Mais bon, vous aurez compris un petit peu. Genre, vous regardez combien je creuse et voilà. Si vous êtes perdu, attendez, je vous le dis. Donc là, le bois, bah, fait 5, voilà. La longueur du bois fait 1. Alors, attendez, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Elle fait pile 28. Voilà, donc ça c'est le bois. Voilà. Et donc vous faites moins 2 pour la quartz là. Pour ça fait 5 et donc 26. Ah, mais je fais des trous. J'aime faire des trous, c'est pas possible. Hop. Et donc là, on va mettre le gravier, le graveur. Gravel. Ah, c'est un L. Hop là. Ça, on en aura presque plus besoin. Gravel. Hop là. Et donc, il y a une toute petite astuce qui n'est pas très difficile. Enfin, faut pas être un génie pour l'avoir trouvé. Par contre, faut être un génie pour mettre du gravier au-dessus.
Ça, il n'y a que moi qui sais le faire. Bah, tiens. Donc pour les arbres, bah en fait vous mettez juste de la terre quoi, là où vous voulez les planter. Donc je les ai fait symétriquement. Voilà, j'ai fait un trou symétrique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la sixième. À chaque fois c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 6. Hop là. Vous faites une étoile pour mettre après les fleurs. Vous mettez n'importe laquelle, hein. Franchement, moi j'ai fait un truc totalement random. Voilà, vous mettez donc une pousse. Alors moi la pousse que j'ai faite, j'en ai aucune idée. On va John de canon. Oh peut-être celui-là. On va changer. J'en ai aucune idée de ce que j'ai mis. Alors c'est de la bob ou de la bonne? C'est bonne mille. Vous mettez vraiment l'arbre que vous voulez. Voilà. Quoique ceux-là sont pas très beaux, je préfère les autres. Mais bon, oh, quoique ça peut être assez, ça peut être pas mal. Après, vous mettez les fleurs que vous voulez, flower. Ah, ça en fait que une. Mais elles sont où les autres? Decoration. Pink. Oh, d'accord, ils les appellent tulipes. Alors, on va mettre des oldies. De l'allium. J'adore. Voilà. Voilà, nous faisons un mélange très très simple. Voilà. Et donc, nous allons finir par la piscine. Alors, je vérifie que j'ai bien tout fait. Au-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai pas oublié de porte. Non. Alors, attendez. Si, je pense que en fait, là. Ah non, j'ai fait exactement pareil. Dis donc, dis donc, dis donc. En fait, j'ai fait la même erreur dans les deux maisons. Hop là. Le long du couloir, vous mettez des pylônes inversés. Et ouais. Parce que c'est toujours mieux, quoi. Moi, j'aime bien les maisons symétriques en tout. Enfin, après, si vous voulez faire une maison qui n'est pas symétrique, regardez celle-là, où il y a eu un feu de cheminée. Ça, c'est moi, en fait. Vous pouvez voir que je n'ai aucun talent d'imagination. Sauf si j'ai un modèle sous les yeux. Hop là. Alors là, vous me prenez du bois, mais. Alors attendez. Ah, j'ai un cheveu. Wood. Vous prenez donc une spruce. Je crois que j'avais pris du foncé comme ça, comme bois. Je sais même plus. Ouais, c'est ça. Pour faire une sorte, voilà, de. Comment ça s'appelle? Aucune idée. Pour sauter, quoi. J'ai aucun vocabulaire à cette heure-ci. Je suis totalement crevé. Donc là, vous creusez, creusez, creusez. Là, 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 là. Voilà. Vous faites 3 de profondeur. Je crois que c'est ce que j'ai fait. 1, 2, 3. C'est ça. Vous faites 3 de profondeur. Là, on en est à 2, 3. Hop là. Et vous remplacez tout par les blocs de quartz normaux. Pas des. Comment ça s'appelle? Bah, de toute façon, pas besoin de reboucher vu que je vais le reboucher avec de la quartz. Ni des pylônes, ni les autres, ou je ne sais même plus comment ça s'appelle, tellement c'est bizarre. Voilà, vous mettez que, mais que. Du quartz. Alors, on va faire. Voilà, clic souris en masse. Et c'est là, je suis tellement déçu, parce que j'apprends au montage que donc les clics étaient beaucoup trop forts par rapport à ma voix. Alors que normalement, j'ai déjà fait le test. Et non. Voilà, normalement non, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, ne faites pas la même erreur que moi lorsque j'ai fait ma maison tout seul. La dernière fois, en la faisant pour la première fois, c'est-à-dire mettre l'eau et ensuite mettre la quartz. Parce que ça vous ralentit, vous pouvez pas imaginer. Vous allez tellement pas vite. C'est. Ouf! C'est affligeant. Ouais, non. Si. Si, ouais, si, si. Oui, je parle tout seul. Là, c'est un cas de schizophrénie énorme. Vous mettez bien la quartz en dessous du bois. Et ensuite, vous continuez.
Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai essayé tant bien que mal que possible. Et surtout, il faut le savoir, sans le faire exprès, à être drôle. Non, sérieusement, je pense que ça va vous plaire. Enfin, j'espère. Parce que le fait quand même que je cherche pendant 5 minutes l'erreur qui fait que ce n'est pas du tout symétrique, que ce n'est pas du tout comme il faut, alors que l'erreur était sous mes yeux depuis le début. Non mais, s'il vous plaît. Ah, tombé. Puis si ce tuto vous plaît, bah, il n'y a pas de souci, j'en referai d'autres. Je pourrais même en refaire sur d'autres. En préparant la vidéo, je me suis dit, ouais, tu devrais dire ça. Et donc, je vais le dire, parce que franchement, ça me gênerait pas. Enfin, il n'y en aura pas non plus des dizaines, quoi. Mais je pourrais refaire des tutos. Il suffit que dans les commentaires, voilà, vous donniez votre avis sur une photo d'une maison moderne. Alors, s'il vous plaît, commencez pas à prendre des maisons japonaises, parce que c'est impossible. Je suis désolé, mais faire un toit j'aime bien l'architecture asiatique, mais en Minecraft, c'est quand même assez dur. Je suis même pas sûr que ça soit possible. Peut-être, mais commencez pas. Voilà, des maisons qui ont ce style-là, il n'y a pas de souci. Je les prendrai pas toutes, hein. Il n'y aura pas non plus 15 000 tutos là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu... Bah, vas-y, balance-toi. Mais ça, voilà, si vous avez des propositions à faire, je suis tout ouïe. Tout ouïe. Hop là. Alors, donc là, nous mettons de l'eau. Vu que c'est une piscine. Je mettrai bien sûr le lien de Moderne HD, le pack de texture, je le rappelle, pour vous éviter évidemment de le chercher et pour bien prendre le même que moi. Par contre, évidemment, ce ne sera que pour... Attendez. Ah ouais, c'est mal fait. Bah attendez, on va le faire là. Bien sûr, ce ne sera que pour la version 1.7. Enfin, au pire, je vous donnerai le lien du site, comme ça, il n'y aura pas de souci. Il y a encore en bas. Hein. Ta 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 ta. Hop là. Donc, la vidéo est maintenant finie. Alors attendez, on va quand même vérifier. Ah bah c'est bon. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Je vous fais le petit tour. On vérifie tout ça. Alors voilà. Il manque... Ouais, c'est... Non, pas du tout. Si, j'avais bien fait deux de haut. Comme ça évite que quelqu'un vienne chez vous. Tout est protégé. Je veux dire, si vous êtes dans un serveur où il n'y a que où vous mettez des privates, voilà, personne ne pourra rentrer. Il n'y a pas de porte qui donne, enfin, qui donne, voilà. Je veux dire, là, il n'y a personne qui peut rentrer. Personne ne peut venir ici. Voilà. J'ai pas envie de l'arrêter ce tuto. J'ai pas envie. On va faire un petit tour, vérifier que tout marche bien. Voilà. Donc après, vous l'aménagez vraiment comme vous voulez. Soit vous ne l'aménagez pas, vous faites une sorte de musée, je sais pas, dans votre serveur, vous imaginez des petits trucs sympas. Vous pourrez même me l'envoyer, voilà. Vous m'envoyez votre construction grâce au tuto. Vous m'envoyez en photo, voilà ce que j'ai fait moi, regarde, dis-moi si c'est bien ou pas. Ou alors juste, même sans me demander ce que j'en pense, me dire voilà ce que j'ai fait. Voilà, et moi je vous répondrai. Évidemment que je vous répondrai. Donc vous pouvez voir qu'elles sont symétriques, qu'il y a une grosse merde à gauche. Ça, n'y pensez pas, c'est moi qui l'ai fait. On vérifie bien, voilà. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des problèmes pour ce tuto, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Je serai ravi de vous y répondre. Bah déjà encore merci d'être 200 abonnés à la chaîne. Ça nous fait plaisir à moi et à Dim. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.